Voici quelques extraits de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Mettons-nous, si possible, à genoux. Embrassons, si possible, un crucifix. Restons dans un profond silence. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il a dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi. Jésus, ils t'ont descendu de la croix, et ils t'ont déposé dans les bras de Marie, ta mère. Prions, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, tu as achevé ta vie terrestre dans des souffrances atroces. Tu es mort en héros d'amour et de pardon, et tu as remis ton esprit au Père. Avec toi, tu as amené le larron qui était à tes côtés, parce qu'il t'a demandé de te souvenir de lui.
Jésus, je te remercie maintenant d'être venu parmi nous, pour chacune de tes paroles, pour tes œuvres, pour chaque signe par lesquels tu as démontré que tu nous as aimés. Marie, tu es restée au pied de la croix, tu as tout entendu, tout souffert, et maintenant tu tiens ton fils dans tes bras maternels, avant qu'il ne soit déposé au tombeau. Avec quelle tendresse et quel amour tu l'as reçu dans tes bras à la descente de la croix. Jamais personne ne pourra comprendre, si même le décrire. Il est loin, ô Marie, le temps de la passion, ce temps si douloureux où, au pied de la croix avec l'apôtre Jean, pour nous, vous êtes devenue maman, Marie. La mort de votre enfant, son dernier soupir, vous déchirant le cœur, ô mère des douleurs. Là, vous aviez vieilli, et son cœur transpercé a transpercé votre âme. Détaché de la croix, vous l'avez accueilli dans vos bras, sur votre cœur, tant infâme, ridé, défiguré, tout votre corps pleurait, et même le soleil ne savait plus briller. Faire une minute de silence. Nous présentons notre acte de réparation en demandant pardon au Père, à Jésus, à Marie. Mon acte de réparation. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons tant recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons tant recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons tant recours à vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci Père de nous avoir donné la foi, car nous chantons avec confiance. Victoire, tu règneras. Ô croix, tu nous sauveras. Tes grands bras.